C'était une des sorties, entre guillemets, de secours de la boîte. D'accord. Demain matin, ça. D'accord. Elle a été chiffrée, les postes de plateau, donc on est dans un abri antiatomique, un des 6 ou 7 abris antiatomiques de Paris qui a été construit dans les années 20 pour être un abri anti-aérien et qui a été transformé pendant la Seconde Guerre mondiale en abri anti-atomique. Il a été maintenu opérationnel jusqu'en 1991, donc 2 ans après la chute du mur de Berlin, et après il a été abandonné pendant une vingtaine d'années. Donc on en a fait l'acquisition pour le transformer en data center, nous on l'appelle le data bunker. Désormais, c'est un abri pour les données, pour ce qu'il y a de plus sensible dans l'économie numérique, à savoir les données et la data.